Cambriolage, assassinat. Une série de crimes inexpliqués sème le trouble à travers toute la France. Pour chacun d'entre eux sont relevées une foule d'empreintes digitales. Le hic, c'est qu'elles appartiennent toutes à des criminels connus de nos services. Des criminels condamnés à mort et guillotinés depuis déjà plusieurs mois. Le gang des ténèbres. Un journaliste reste au courant. Tous ces criminels guillotinés avaient été enterrés dans une petite ville de Bretagne. Vannes. Le journaleux, lui, n'en sait rien, il peut rien contre nous. Comment peux-tu en être certain, le petit? Tout le monde a ses petits informateurs. Et sur ce Valgrand, pas plus d'informations? C'est à coup sûr le cerveau de toutes ces opérations. Pour Valgrand, vous n'êtes qu'un bourdonnement de mouches! Ça, mon jeune ami, c'est votre aventure. Que faisons-nous? Trouvez-moi ce Charles Jute. Vous avez du mal, monsieur Jute. Vous ne manquez pas de culot non plus. Je réserve à ce Jute quelques surprises. Bien de mon fait. J'allais prendre le train. Peu importe les victimes, si le geste est beau. Peu importe la mort de vagues humanités, si par elle s'affirme l'individu.